tous les cas transist à peu près la même musique qui revient lors des récompenses dans le monde du football. En 2018, l'équipe de France, qui venait de remporter la Coupe du Monde, avait trusté les récompenses et Didier Deschamps avait notamment reçu le trophée de meilleur entraîneur de l'année lors de la cérémonie The Best, organisée par la FIFA chaque année. Cette fois-ci, CIST autour des Argentins de voir la plupart des trophées leur venir, à commencer par le meilleur joueur de l'année, remis à Lionel Messi. Le sélectionneur Lionel Scaloni a également eu le droit aux honneurs de ses pairs, qui ont fait de lui le lauréat cette année. Pour ce qui est du meilleur gardien de but, CIST le fameux Emiliano Martinez qui a hérité de la récompense cette année. Un gardien qui s'est principalement fait connaître lors de cette Coupe du Monde au Qatar en réussissant une compétition exceptionnelle en étant décisif lors des séances de tir au but. Messi est surtout après la finale remportée face à l'équipe de France que le gardien d'Aston Villa a fait parler de lui, raillant à plusieurs reprises la star des Bleus, Kylian Mbappé. Présent à la cérémonie, qui s'est tenue à la salle Pleyel à Paris, l'attaquant du Paris Saint-Germain était accompagné de son père, Wilfried, et visiblement, il n'était pas ravi de voir Emiliano Martinez remporter ce trophée. Sur les réseaux sociaux, sa réaction a beaucoup fait réagir. Le regard de Mbappé pendant le discours de Martinez, écrit un compte populaire, en ajoutant une série d'emojis au regard glacial. Certains comparent également la grande différence entre les expressions du visage de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. Times through the rough times I